Bonjour e bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tote bag pour la plage. Trente trois centimètres por trente. E on commence por ali posicionar o termocolante ou tissu principal. Ensuite, on va préparer le poche e le rabat. Les mesures du poche sont 21 cm por 12. On passe une couture tout autour et on laisse une petite ouverture. Le rabat, il mesure 15 cm por 6. E on va arrondir un petit peu d'un côté. Ensuite, on va passer une couture tout autour. E maintenant, on va retourner le rabat e le poche. On va repasser un peu le poche et le rabat. Et ensuite, on va positionner le rabat et le poche. On va faire une marque au milieu du tissu. Et une autre marque au milieu du poche. Et on va le coudre à 6 cm du haut. Ensuite, on va passer une couture et on va positionner aussi les poignets à 9 cm des côtés.
Le poignée, elle mesure 55 cm chacune. On positionne aussi le rabat au milieu du tissu. E ensuite, on va passer à la machine. E voilà, on a déjà passé les coutures. Ops. E maintenant on va fermer o sac. O meu é tissu droite contra droite. On étangle tout autour. E on va passer une couture comme ceci. On va faire la même chose au tissu de la doublure. On va étangler tout autour, mais on va laisser une ouverture sur un côté. Pour retourner après. Voilà, on laisse ici la petite ouverture. E maintenant, on va passer les coutures. Ensuite, on va coudre les angles. On va préparer pour coudre les angles à 3 cm. On passe une couture. On va faire la même chose au tissu de la doublure.
On va faire les angles à 3 cm aussi. Et on va passer à la machine. Ensuite, on va assembler les deux pièces. Les tissus droite contre droite. On étangle tout autour. Et on va passer une couture tout autour. Après, on va retourner pour la petite ouverture. Et voilà. On retourne maintenant. Et ensuite, on va repasser bien les tissus, les coutures, la petite ouverture qu'on va passer une couture pour la fermer. Et voilà, c'est presque terminé. Maintenant, il faut seulement fermer le sac avec un bouton pression. Mais avant, on va passer une couture tout autour. Ensuite, on va mettre un bouton pression sur le rabat et le poche. Et voilà, le sac est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.